Ok, donc j'espère que vous allez bien ici auteur et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda Breath of the Wild et aujourd'hui on va voir enfin Link, le reste l'épée. dépend de toi. Donc on est parti. Tu es notre dernier espoir, le seul qu'il nous reste. Je t'en prie. Ok. L'arbre qui va parler sûrement. Et ouais. J'ai dû m'assoupir un moment. C'est toi. Alors. Alors, te voilà enfin de retour. J'attendais ta venue. Je l'ai attendue. 100 ans. 100 ans. Et ouais. Pour tout te dire, je commençais à trouver le temps long. Tu ne te souviens pas de moi, on dirait. Eh bien, je suis un vieil arbre qui veille sur les terres d'Hyrule depuis des temps immémoriaux. On m'appelle l'arbre Mojo. Ok. Voici l'épée forgée par la déesse des temps anciens. La lame purificatrice que seul le preux chevalier élu de l'épée saura brandir contre le fléau Ganon. Il y a 100 ans, ce preux chevalier qui a brandi l'épée divine, c'était toi. Mais je dois t'avertir, l'épée ne se laissera pas revendiquer sans une petite sans mise en l'épreuve. Ok. Je ne saurais dire si tu es toujours digne de la porter. Si, 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 si. Mais sache que tant que tu n'auras pas retrouvé toutes tes forces, tu y laisseras la vie. Si tu tentes de l'arracher de son socle. Ok. Faut juste que j'ai un peu de PV là parce que je suis à 5 HP. Enfin, 5 coeurs, 6 coeurs, 8 coeurs, je sais pas. La prudence est de... Et de mise. Ok. C'est épique. L'âme du héros. Alors là, là je réussis. Merde. Ah, vas-y, il faut que je me régène. Non, non, je suis obligé de payer. Payer de la bouffe. Ok, là c'est bon. Let's go, hein. Ça fait plaisir. Je vous en prie. Soyez patiente et attendez le retour de votre maître. Même si, comme vous le craignez, son long sommeil efface de sa mémoire jusqu'à notre existence. Je sais, je sens qu'un jour, ses pas le ramèneront vers vous. Que comptes-tu faire à présent, prêtresse royale d'Hyrule? La lame que voici, l'épée de légende, m'a montré la voie. J'ai une tâche à accomplir. Tout n'est pas encore perdu. Tu possèdes une grande force désormais. Vénérable arbre Mojo, pourriez-vous lui transmettre un message de ma part quand il viendra ici? Voilà, je... Allons, allons. Un message de cette importance
se doit d'être délivré en personne. Ne crois-tu pas? C'est vrai. Ok, intéressant. Ce que tu viens de voir s'est produit ici il y a 100 ans. La prêtresse royale est venue. Elle a placé cette épée sous ma garde. L'épée qui tomba de ta main sur le champ de bataille. Aujourd'hui encore, elle poursuit son combat contre le mal au cœur du château d'Hyrule, attendant le jour où tu viendras la retrouver. Quel sourire envoûtant elle avait. Peut-être le contemplerai-je un jour à nouveau. Je pense qu'on va après tester l'arme. Oh bah ça va. J'ai récupéré un peu de PV. Hop là. Ah là 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 là. Par contre, des créatures divines. Alors là, du coup, on a fait ça. Elimite, Akala. Et Elimite, on a fait la maison. Donc il manque plus qu'à améliorer le truc. Sauf que il faut des cœurs et tout ça. Donc j'ai pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller par là. Et on va se diriger pour, vers la prochaine tour, tout simplement. Pour découvrir encore plus la map, tout simplement. Hop. Allez, 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 allez. Je suis impatient. Oh, élu. Toi, oh non, putain. Oh, il casse les... Ouais. Non, 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 moi je vais pas faire le DLC. Non, non, non. C'est pour améliorer l'arme, je crois, ou un truc comme ça. Non, 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 moi je veux pas. Je veux tout simplement pas parce que, voilà. Faut faire déjà l'aventure principale avec où on va tout découvrir et tout ça, et après on s'attaquera au DLC. Là non, pas tout de suite. Du coup, la prochaine c'est Château d'Hyrule. Donc ça va être celui qui est là-bas. Il y en a pas mal encore à trouver. Hein. Bon, on va aller vers là-bas, mais je sais que là-bas, le problème c'est qu'on va tomber sur des guardians plein de fois, quoi. Ça va être chiant. Thank you.
Un peu nul le bouclier, n'empêche. Hein. Pas grave, on va l'utiliser comme ça au moins. Bon. Oh, n'empêche, ouais. Des petits plats gratos comme ça, moi j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Alors. Hop là. Voilà, un peu de volatile gratos. Je sais pas s'ils ont peur déjà les poissons, je crois pas. Hein. Non. Perche max. Max, max, max. Ouais, c'est plutôt pas mal les max. C'est ça. Ok. Ok, ok, ok. Oh mon dieu, une étoile. Une étoile filante. Allez, on run. Je m'en fous, on va vers l'étoile. Oh putain. Oh connard. Hop là. Meurs. Je vais pas prendre l'autre parce que vas-y. On rush l'étoile. C'est le plus important. En plus, ça coûte super cher. Hein. Je crois que c'est 2000 étoiles ou un truc comme ça. Ou... Je sais même plus ça sert à quoi, mais ouais. On se met trop bien. Si on la récupère. Mais après, je crois que ça va despawn prochainement, n'empêche. Faut que je sois rapide. Putain, j'aime pas cette bête. Des fois, je comprends pas comment je suis bon pour tuer des petites bêtes, mais quand je dois tuer. Je dois viser des grosses bêtes et tout ça, je les rate. Alors que là, j'ai réussi, par exemple. Je comprends plus rien. Ça doit être la chance, sûrement. Alors c'est dangereux de passer par là, hein. Mais c'est le chemin le plus court. On s'en fout. Eh mais non, mais il force. Ça va. Oh purée. Waouh, j'ai jamais autant stressé pour des Guardians. Comme par hasard, il va se retourner pour me viser. Je suis sûr. Ah, ça va. Pareil pour lui. Lui, il va se retourner. Hop là, comme par hasard. Putain, en plus, il pleut. Non. Pire truc.
Ok, on est pas loin, on se rapproche. Je me dis que j'ai encore un truc qui peut me protéger, donc ça va. Oh putain. Putain, c'est pas loin, hein. J'ai envie d'y aller, mais bon. Non. Focus sur l'objectif. Ah, on voit, regardez là-bas. Stylé. Stylé, stylé. Waouh, ça va prendre du temps hein, pour y aller. Après c'est facile à esquiver hein, n'empêche. Putain et moi je me fais toucher à ce moment là, non mais c'est abusé. Je te protégerai. Attends, il m'a vu? Et en plus, il y a le... Ah oh, non, non, c'est trop. Non, c'est trop là. Putain, on y est presque. Hein. Je crois qu'ici il y a un truc à prendre un objet, enfin une tenue, un bout de tenue, mais bon. Il y a des zones comme ça qui se ressemblent partout dans tous les cas. Allez, hop, 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 hop. Ok. Dans tous les cas, on peut grimper, c'est pas un problème. Juste que ça ne dispawn pas. Hein. Sinon, j'aurais bien le seum. Ça est toujours là-bas. Je me dis, ça se trouve, c'est en fait la... C'est pas l'étoile, mais plutôt la fontaine, je sais plus quoi, et qui se trouve à côté. Donc en fait, je crois que c'est pas ça. Dans tous les cas, on va s'arrêter là. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche, c'est hauteur. N'oubliez pas que je vous kiffe. Allez, ciao!